Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Test Mode. Alors on va parler aujourd'hui de Dartcraft, fait par Bluedart. Alors c'est un petit mode qui fait pas mal parler de lui en ce moment, je pense que certains d'entre vous ont déjà dû en entendre parler. Alors c'est un mode qui a été très très bien conçu, il est très complet, il est compatible avec énormément de modes, dont Industrial Craft, Bull Craft, Thermal Expansion, enfin pas mal de modes de ce genre-là qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui. Alors c'est un mode, comme je vous disais, qui est très complet. Donc on va pas s'éterniser sur la présentation, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Darkcraft, ça ajoute déjà un nouveau minerai, le Force Ore, donc du minerai de force, que vous pouvez trouver dans le Nether et dans l'Overworld, qui se présente ainsi, et quand vous le minez, il vous rapporte entre 2 et 4 cristaux de force. Donc c'est en partant de là que vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc première chose à faire quand vous commencez, c'est vraiment aller miner et trouver ces minerais de force. Ensuite, Darkcraft, ça ajoute un établi portatif qui s'appelle le clipboard, qui se fabrique avec 6 planches, 2 bouts de papier et un lingot de fer. Et ce clipboard, il est vraiment génial parce qu'il va vous permettre de faire pas mal de... Enfin, qui va vous rendre le craft beaucoup plus pratique. Alors déjà, il est portatif, ça c'est super. Ensuite, il a plusieurs fonctions. Donc déjà, il a la fonction craft basique de Minecraft avec les nouveaux raccourcis qu'on a avec la souris. Ensuite, il a aussi la fonction coffre, c'est-à-dire que quand vous faites un craft, vous oubliez quelque chose, mince, hop, vous repartez, vous revenez, tout est toujours à sa place. Ça, c'est vraiment très pratique. Il a aussi une fonction, donc la petite flèche là, qui vous permet de tout remettre dans votre sac. Donc si vous mettez des choses comme ça et tout, hop, ça vous permet vraiment de tout reprendre dans votre sac. Donc ça aussi c'est pratique. Il va vous permettre aussi d'étaler sur tout le tour l'objet que vous mettez dedans. Par exemple là, si je mets, comme vous pouvez voir, la pierre, hop, il l'étale. Mais il va pouvoir aussi, par exemple, si vous avez plusieurs choses, vous permettre, par exemple, si vous mettez comme ça, d'étaler équitablement les deux en fait, et si vous recliquez, d'inverser, comme vous pouvez le voir, entre les deux. Donc c'est vraiment super pratique. Il va aussi vous permettre, si par exemple vous faites quelque chose comme ça et comme ça, d'égaliser directement ensemble entre tous les stacks, ce qui vous permet de mettre juste un où vous voulez et après vous cliquez là et ça égalise. Donc c'est vraiment super pratique. Donc bon, il y a la fonction Minecraft qui le fait, mais là pour le coup vous avez vraiment juste à poser vos objets, hop, et hop, il égalise quoi. Donc le clipboard, c'est vraiment quelque chose de super pratique. Donc je vous conseille de vous le crafter dès le début, parce que vous allez en avoir tout le temps besoin, vous l'aurez tout le temps sur vous, c'est vraiment génial. Donc ensuite, après le clipboard, on va partir sur les lingots de force. Alors les lingots de force, il y a plusieurs manières de les faire. Donc une fois que vous aurez miné des gemmes de force, vous pourrez les faire. Donc là je vous ai mis la manière la plus rentable pour moi. Si vous avez d'autres modes qui incluent l'argent en minerai, c'est une gemme de force plus deux lingots qui vous donne trois lingots de force. Donc il y a également d'autres sets. Donc bah, si vous avez des nuggets, je vous expliquerai comment on peut en avoir sans passer par les lingots plus tard. Vous pouvez faire vos lingots. Si vous n'avez pas d'autres modes installés, vous pouvez le faire avec le fer, ce qui vous en donne 2. Vous pouvez le faire avec l'or, ce qui vous en donne 3. Si vous avez le bronze, ou le. Si vous avez le bronze installé. Hop. On va revenir là. Si vous avez le bronze installé par rapport à d'autres modes, vous pourrez l'utiliser aussi pour en faire 2, mais c'est pas très rentable. Avec le fer raffiné, vous pourrez en faire 3, mais c'est toujours pareil, en début de partie, c'est pas super intéressant parce que ça use votre stock de fer. Et vous pourrez le faire donc avec l'argent, et quand vous avez des modes, l'argent vous en trouvez pas mal quand vous avez fait une bonne session de minage, et vous l'utilisez pas beaucoup forcément en début de partie, et ça vous en donnera 3. Donc ce sera assez pratique. Vous pourrez le faire aussi dans le Carpenter, en utilisant du liquide de force. Donc ce qui peut être pratique dans le sens où on en parlera après, le liquide de force, vous pouvez le faire sous différentes il y a différentes façons d'en avoir, mais après les lingots pour le transformation, c'est la même. Donc on verra plus tard pour le liquide de force. Donc une fois que vous avez fait vos premiers lingots, vous allez pouvoir faire votre premier force rod. Donc le premier force rod, il se fera avec un stick normal.
un lingot de force et un force nugget. Alors, le premier force rod, il va vous permettre surtout de faire votre premier arbre de force, donc qui est ajouté également par ce mode. Donc, pour faire un arbre de force, bah, c'est simple, vous prenez un sapling de chêne, un petit clic droit avec le force rod, et hop, vous avez votre premier sapling de force, qui pousse, lui, contrairement au nouvel arbre, enfin, aux nouveaux arbres avec la mise à jour 1.5, avec un seul bone meal. Donc bien pratique aussi. Donc cet arbre de force, il va vous permettre donc déjà de faire des force rods de meilleure fabrication, parce que ceux-là, comme vous pouvez le voir, ils sont quasiment usés quand vous les fabriquez. Donc il va vous permettre, on va en récolter un petit peu. Va vous permettre de crafter des force sticks. Alors les force sticks qui se font avec deux bouts de bois brut directement. Et c'est avec ces force sticks que vous allez pouvoir créer toutes sortes d'autres choses. Donc avec le bois, vous pouvez également faire, et les force sticks, vous pouvez faire tous les outils classiques, enfin épée, hache, pelle, sauf que vous incluez un force stick avec des lingots de force. Donc comme vous pouvez le voir, on peut faire l'épée, la pioche, pelle, hache, des arcs. On peut également faire des flèches avec des nuggets et des sticks. Le fameux force rod tout neuf. Et on peut également faire, donc ça c'est pour ceux qui ont Forest Trail, des cadres protégés en partant du cadre impermalisé avec les force sticks. Ce qui remplace en fait les sticks, les bâtons imperméabilisés qu'il faudrait faire en temps normal dans le Carpenter ou autre. Donc assez pratique. Donc avec ces force sticks, vous allez pouvoir faire donc tous les outils. Avec le bois, vous allez également pouvoir faire, en chauffant du charbon de bois de force en fait, qui par rapport au charbon de bois classique va pouvoir cuire 10 unités au lieu de 8, donc qui est à peine plus puissant, on va dire. Donc c'est à peu près tout pour les sticks. Ensuite, vous allez pouvoir faire donc votre vrai bâton de force. Donc là, le force rod qui va pouvoir vous servir à plus de choses. Donc le force rod, il va pouvoir vous servir à énormément de choses. Donc déjà, il va vous pouvoir servir à transmuter. Par exemple, si vous récupérez des outils en acier, ou si vous récupérez dans des coffres des outils en maille, en fer, ou si vous-même vous faites une armure en fer en trop, si vous récupérez des wagonnets ou des portes en fer ou en bronze aussi, vous allez pouvoir tout transmuter avec le bâton pour récupérer les lingots. Donc ça, c'est super pratique. Donc ça marche avec le stuff en maille, ça marche avec le stuff en fer, le stuff en or, le stuff en bronze aussi, ça marche aussi avec le stuff en acier. Oh les reviens là. Donc le stuff en acier, ça marche avec les minecarts, avec les portes en fer, ça marche aussi avec les chaudrons, les seaux. Hop, on va faire ça tout de suite, on va tester ça. Hop. Donc vous voyez, un simple clic et ça vous retransforme tout dans l'élément qui sert à sa fabrication. Donc c'est vraiment pratique pour quand vous trouvez dans des coffres pour récupérer les matériaux. Ça vous donne une proportion en fonction de l'usure de l'objet. Hein. Donc ça c'était pour la phase transmutation du force rod. Avec, vous allez pouvoir également, par exemple, transformer un champignon en rouge ou en marron au choix. Également pour les plantes, ça marche pas pour toutes, mais ça marche pour certaines, en l'occurrence pour la plante classique vanille. Donc pratique aussi. Avec le force rod, vous allez aussi pouvoir transmuter pour faire l'armure de force. Donc pour ça, il faudra partir d'une armure en cuir classique. Hop. Donc simple, pareil, un petit clic dessus et ça vous fait l'armure de force. Qu'on va pouvoir utiliser plus tard, je vous en parlerai après, on en parlera après de ce qu'on peut faire avec cette armure. Le Force Rod va vous permettre aussi de pouvoir récupérer avec les livres d'enchantement
un petit clic dessus, des bouteilles d'enchantement, donc qui vont être très pratiques dans ce mode parce que vous allez pouvoir les utiliser pour améliorer votre équipement. Donc on en parlera un petit peu plus tard aussi. Et vous allez pouvoir aussi vous fabriquer, on va le faire tout de suite, avec un bloc d'obsidienne, le Force Infuseur. Alors le Force Infuseur qui va vous permettre de faire pas mal de choses, mais on reviendra dessus un peu après. Donc je vais le laisser. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Et va vous permettre aussi de pouvoir transmuter un bouquin en upgrade tome, qui va nous servir à utiliser le Force Infuseur. Mais on reviendra dessus un peu plus tard. Donc pour le Force Rod, voilà, donc sa principale utilisation, donc ça va être de transformer, de vous faire le Force Infuseur que vous allez pouvoir utiliser avec l'upgrade tome, de retransformer en lingot tout ce qui est en acier, en fer, pas les outils en fer, ni les outils en or par contre. Par contre, ça marche pour les outils en bronze et les outils en acier. Et tous les stuffs, ça va marcher pour les plantes, pour les passer d'un type à un autre, pour les bouquins d'enchantement, pour en faire des bouteilles d'enchantement. C'est déjà pas mal. Donc voilà, pour le Force Rod, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire tout ça. Ensuite, on va passer sur le Force Mith. Alors le Force Mith, c'est un outil ajouté par Darkcraft, bien évidemment. Et cet outil, il est génial, ce qui va vous permettre, et il cumule donc une très bonne pelle. Il va cumuler également une très bonne pioche dans le sens où vous allez pouvoir miner certains minerais et la cobble, voilà, simplement, et certains minerais, pas tous. Il va pas très haut dans les minerais, je crois qu'il se limite au fer, il me semble. Il pourra pas aller plus haut que le fer. Vous allez également pouvoir, avec cette Force Mith, et c'est là où il devient très intéressant. Donc vous pouvez couper du bois aussi avec, hein, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais quand vous allez faire un clic droit sur par exemple de l'herbe, enfin un clic gauche sur l'herbe, il va avoir tendance à tondre vraiment la globalité de tout ce qui est autour de lui, enfin, une bonne partie autour de lui. Et ça, c'est super pratique. Il va vous permettre également pour récolter, voilà, c'est vraiment génial, c'est super pratique. Donc il va vous pouvoir permettre de récolter en masse. Il va vous permettre également, hop, voilà, sur les arbres, de pouvoir les effeuiller rapidement. Donc ce qui va vous donner les saplings rapidement, et puis pouvoir couper. Enfin, c'est vraiment pratique, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Après, vous n'avez plus qu'à couper votre arbre, ça effeuille, c'est vraiment pratique, quoi. Vous récupérez vos saplings vitesse grand V, ça va vraiment plus vite. Ah, j'ai oublié de préciser aussi que les arbres de force, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous lâchent les feuillages quand ils tombent, vous lâchent aussi des force nuggets, ce qui vous permettra donc de faire les lingots avec les nuggets d'une autre manière, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà pour le Force Mith, donc vraiment un outil super pratique. Il permet aussi de, bah voilà, hein, de faire, hein, je vais y arriver, de faire où. Donc le Force Mith, vraiment l'outil super pratique, pas très compliqué à crafter. 3 cobblestone, 3 cuir, un lingot de force et un lingot de fer. Donc le Force Mith, vraiment un outil génial. Donc ensuite, on va parler. Je vais ranger ça vite fait. Hop. Voilà. Ensuite, on va parler du sac, du Force Pack ajouté par Darkcraft, donc qui est bien bien aussi. Donc, il se fabrique avec 4 cuirs, 4 lingots de force et un coffre. Donc, ce backpack qui fait un peu peur au début, effectivement, parce qu'il n'y a que 8 emplacements. Mais en fait, vous allez pouvoir l'améliorer dans le Force Infuseur et augmenter sa capacité jusqu'à 40 places. Donc on parlera un peu plus tard de la manière de l'augmenter quand on se mettra sur le Force Infuseur. Donc ce backpack, il va marcher de pair avec l'item card, donc qui se craft avec 6 papiers, un lingot de force, une teinture bleue et une teinture rouge,
Donc cette système carte, il va marcher de pair avec parce qu'en fait, il va avoir une petite interface, donc comme le sac. Quand vous faites un clic droit dessus avec le sac, vous pouvez choisir sa couleur pour vous en faire plusieurs, le nommer. On va pas se prendre la tête. Backpack. Voilà, donc il est nommé et tout. Et en fait, il va pouvoir marcher de pair donc avec l'item carte, parce que l'item carte, quand vous faites un clic droit dessus, ça vous ouvre l'inventaire de la carte. Et quand vous êtes dedans, vous pouvez mettre différents objets. Donc fantôme, ça vous consomme pas. Et avec ces objets à l'intérieur, vous allez pouvoir définir si vous voulez, oups, hein, définir si vous voulez que ce soit ramassé uniquement par sac. Donc là, par exemple, si je fais un clic droit sur un objet que j'ai mis dedans, par exemple là les saplings et la poudre d'os, je vais pouvoir définir ce que je veux qui rentre dans mon sac ou pas. Donc là pour le coup je voudrais que les saplings rentrent dans mon sac, par contre je veux pas que la poudre d'os par exemple rentre non, je vous dis une bêtise. Je veux que la poudre d'os rentre dedans aussi. Ça c'est pour les sortir en fait, ça marche différemment. J'ai pas tous les détails encore pour le sens dans lequel ça va, mais quand vous êtes sous cette forme-là, ça vous permettra en fait, une fois que vous mettez votre carte dans votre backpack, si vous jetez des items, bah, une fois que vous les ramassez, en fait, ça rentrera pas directement dans votre inventaire, ça ira directement dans le backpack. Donc ça vous permettra de faire des sacs pour ramasser que la cobble ou que la terre, enfin, etc. Vous pouvez également les vider directement dans un coffre. Comme ceci, si vous faites non, allez, si vous faites juste un clic dedans, ça va vider normalement tout le contenu, voilà, tout le contenu dans votre coffre. Donc très pratique. Ça marche un peu comme les sacs de Forestry, sauf que vous allez pouvoir les améliorer et l'item card va vous permettre vraiment de personnaliser complètement vos sacs. Donc c'est très très pratique au niveau de l'utilisation. Si vous n'utilisez pas le mode under chest et que vous avez simplement les under chest, les coffres de land vanilla classique, vous allez pouvoir upgrader le backpack en pack de land, ce qui vous fera un sac portable lié directement à vos coffres de lander. Donc qui est assez pratique. Si vous avez under chest, ça marchera pas parce que under chest, le mode ajoute de lui-même des sacs de lander, donc ça ce sera pas compatible. Je vous montrerai après également comment on fait le sac de lander. On reviendra avec ça marche avec le force infuseur. On reviendra dessus après. Donc ensuite vous allez pouvoir fabriquer ce qu'on appelle la force belt. Donc c'est une ceinture de force qui se fabrique avec deux laines, un lingot de fer, deux lingots de force et quatre cuirs. Et cette ceinture de force elle va avoir une utilisation très intéressante quand vous vous mettrez à utiliser le force infuseur. Donc je la mets de côté et on en parlera un petit peu plus tard également. Donc dans les nouveaux objets ajoutés, vous allez pouvoir crafter avec les cookies et une feuille de papier des fortune cookies. Donc que vous pouvez manger et qui vous donne un petit papier avec une petite anecdote. C'est comme les gâteaux chinois en fait. Je suis une erreur. Super. C'est possible. Donc ces fortunes vont vous servir également, et c'est pour ça que je vous montre la recette du fortune cookie, vont vous servir également dans le force infuseur en tant que matière d'enchantement. Donc vu que pareil pour le force infuseur vous allez avoir besoin des toiles d'araignée, il a ajouté la recette, donc avec 5 ficelles vous pouvez faire la toile d'araignée, ce qui vous permettra aussi également en tant que déco de faire de la fumée pour vos cheminées ou des choses comme ça. Ça ajoute donc Darkcraft ajoute également une force wrench, alors qui est vraiment avantageuse. Donc elle se fait avec 4 lingots de force, 3 lingots de force, une force gear qui se fait donc avec un engrenage en pierre qui lui-même se fait avec un engrenage en bois et 4 sticks. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Et ce Force Gear, il va pouvoir faire plein de choses. Déjà, il va pouvoir récupérer les coffres. Ça, c'est un coffre à part. Je sais pas si ça marche, je vais essayer. Non, voilà, il marche pas pour celui-là. Mais ça va vous permettre de récupérer, par exemple, les coffres comme ça. Et, si j'arrive à le prendre, de laisser tout son contenu. Donc, c'est bien pratique. Le seul inconvénient de ça, c'est qu'il va le laisser dans le sens où vous l'avez pris. Donc, si le coffre était posé comme ça et que vous le prenez avec un shift clic droit, vous allez devoir, quand vous le reposerez, il le reposera automatiquement dans la même direction.
Bon, c'est pas non plus dramatique en soi. Il va vous permettre également de récupérer les moteurs. Alors là, par exemple, j'ai mis un moteur et il a déjà des combustibles dedans. Il va vous permettre de le récupérer complètement. Mais pareil, il va le reposer exactement dans le même sens. Par contre, vous perdez pas le contenant. Le contenu. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le force wrench, bah, il va vous permettre aussi de... Il a pas mal d'utilité, voilà, de récupérer la plupart des machines de tous les modes industriels, craft, bullcraft, il permet de récupérer pas mal de ces machines-là. Donc vraiment pratique. Donc voilà pour le force wrench. On va laisser ça là. Je vais enlever ça parce que ça m'énerve. Voilà. Donc ensuite, on va parler du magnet glove. Alors le magnet glove, effectivement, vous allez me dire, il est très cher parce que c'est 4 barres de fer et une étoile du Nether. Mais je vous en parle quand même si vous le faites plus tard, c'est qu'il va vous permettre. Donc là, il a deux options, en moins et en plus avec un shift click. Quand il est en moins, quand vous jetez des trucs, se passe rien. Par contre, quand vous êtes en plus, voilà, ça fait aimant. Donc ça fait en fait ce que fait le magnète de NEI, sauf que quand vous êtes sur serveur, par exemple, il n'y a que les admins qui ont accès au magnète, vous, ça vous permettrait également d'avoir enfin accès au magnète avec le magnète glove. Donc voilà, vraiment, c'est un outil vraiment génial. Quand vous pouvez le faire, ça devient du bonheur. Si vous avez déjà utilisé le magnète de NEI, en partie solo, le magnète, c'est vraiment fantastique. On va ensuite, petite parenthèse, il y a une astuce. Un nouveau craft à jouer, ajouté par par Blue Dart dans Darkcraft, pour faire une étoile du Nether, enfin, pour invoquer le Wither plus rapidement. Par contre, il vous faut Forest Ray, avec le Carpenter. Donc vous mettez du liquide de force dans le Carpenter, avec 4 sables des âmes, 2 claws, donc ça c'est un nouvel objet lâché par les chauves-souris, c'est des dents en fait, et des larmes de ghast. Donc il y a les tears, ce sont des larmes ajoutées par Darkcraft, et les larmes de ghast classiques, plus un diamant. Et ça vous permettra de faire un inerte corps. Cet inerte corps vous permettra en fait d'invoquer un wither. Donc pour cela, il vous faudra votre force rod, un briquet. Donc vous jetez votre étoile par terre, vous lui mettez le feu, un petit clic droit avec le force rod, et vous avez une bouteille avec le wither à l'intérieur. Donc si je la lance là par exemple, bon je suis en peaceful donc il va pas rester longtemps, mais si je la lançais, hop, voilà, le wither est apparu. Bon là il disparaît parce que je suis en peaceful, mais ça vous permet d'invoquer un wither sans courir après trois crânes de wither squelettons qui sont assez horribles à récupérer. Donc ça c'était la petite parenthèse pour l'étoile du Nether. On va venir maintenant sur le Force Engine. Alors le Force Engine, c'est un moteur, je pense que c'est le plus puissant moteur à l'heure actuelle de tout mode confondu en MJ. Ce qui va vous permettre une production jusqu'à 16 MJ par tick, ce qui est assez énorme. Donc il se fabrique avec 3 lingots de force, un morceau de verre, un piston et 2 engrenages de force, classique comme la plupart des moteurs on va dire. Et ce moteur va vous permettre d'alimenter toutes vos machines et le force infuseur qui lui-même a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc j'ai préparé un petit test pour le force infuseur, pour le force engine. Donc le force engine, il peut fonctionner avec plusieurs carburants. Donc, il peut fonctionner avec du pétrole, avec du biocarburant, du biofuel. Le biofuel, c'est Mint Factory Reloaded, pardon. Le biocarburant, c'est Forest Rye. Le pétrole, c'est Bullcraft. L'essence, bah, c'est le pétrole raffiné. Et le Force. Donc, on va regarder ça ensemble. On va en poser quelques-uns. Forcément, je me suis planté. Hop, hop, voilà. Donc on va en poser quelques-uns. Voilà. Hop. On va les remplir différemment. Donc, pétrole dans un. On va mettre du biocarburant. De l'essence. On va mettre le seau de biofuel.
et du force. Voilà. Donc, je sais pas si ça les mettra en action forcément parce qu'il n'y a rien au-dessus. Donc, on va faire. On va leur mettre une batterie au-dessus histoire de pas s'embêter. Hop, 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 et hop. Voilà. On va ranger ça. Donc, on va les lancer et on va regarder ensemble de base ce que chaque carburant donne. Donc, pour le pétrole, 1,5 mg. Bon, pas rien de sans sas. Pour le biocarburant, 2 mg. Pour l'essence, ce sera 3 mg. Et pour le biofuel de Mean Factory, ce sera 2,5 mg. Quant au liquide de force, lui, ce sera 4 mg. Donc tout de suite, le force est déjà plus intéressant. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il écrit non, Trottel là. Donc désolé pour l'accent. En fait, ça va jouer avec ce réservoir là. Donc en fait, ça va être un boost de performance. C'est-à-dire que l'eau va ajouter x2 à l'énergie de base. Donc là, par exemple, on passe de 1,5 à 3. Le lait va faire partie aussi des améliorations qu'on peut utiliser pour augmenter l'énergie. Le lait, ça va être 2,5 fois, enfin 2,5 fois plus. Donc on passe là par exemple de 2 à 5. Ou pour là, on passera à 8, si je dis pas de bêtises. Non, 7,5. Donc voilà, en fait c'est des boosts pour vos carburants, sachant que le carburant est consommé très 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 lentement par les moteurs, les force engine. Par contre, les boosts de carburant se consomment beaucoup plus vite. Ensuite, pour le dernier, donc le lait, hein, aux vaches, l'eau, pas de problème là-dessus. Le dernier sera une capsule de glace. Alors la capsule de glace, elle augmente de 4 fois. Donc là, on passe quand même à 10 mg alors qu'on était à 2,5. Et pour la force, forcément, avec la glace, on passe à 16 mg, ce qui est juste énorme, quoi. Donc par contre, la capsule de glace, forcément, vous l'aurez pas dès le début. Pour ceux qui savent, la capsule de glace, ça se fait dans le squeezer. Et ça se fait à partir de boules de neige et d'éclats de glace. Donc c'est pareil, là il vous faudra Forest Try parce que vous pourrez avoir des éclats de glace qu'à partir des abeilles. Donc les Icy, les Glaciales, les Mairies et les Tipsy. Je suis pas super calé encore en abeilles, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Donc voilà, le Force Engine. Donc 5 carburants disponibles. Il me semble qu'il y a l'éthanol aussi pour ceux qui auraient GregTech, si je dis pas de bêtises. Donc au moins 5 carburants. Donc connu, utilisable, le force restant le meilleur carburant, sachant que le force, comme je vous l'ai dit, on peut le faire donc avec les forces GEM directement dans le moteur. On peut le faire aussi dans un squeezer. Donc on va regarder ça tout de suite. J'ai plus de capsule de force. Donc on peut le faire dans le squeezer, donc comme vous pouvez le voir, avec des forces GEM. Et on peut le faire également avec du bois, sachant que le bois va donner que 0,100, donc un dixième de seau à chaque fois. Mais vous pouvez avoir une production assez énorme de bois. Donc pas mal d'options pour faire du liquide de force et vraiment vraiment intéressant. Sachant que pareil, des gemmes, des forces gemmes, vous allez en trouver du minerai de force partout. Donc c'est vraiment intéressant. C'est à vous de voir ce que vous produisez en combustible. Mais moi, je vous conseille quand même le liquide de force qui reste le plus intéressant. Surtout quand vous arrivez à l'eau glacée qui est consommée très peu elle aussi. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Donc on a fait le tour pour la plupart des des objets et des crafts apportés par Darkcraft. Je vais finir en vous parlant de l'outil le Force Shear, donc la cisaille. La cisaille qui est vraiment sympa. Donc elle va vous permettre de pouvoir bien sûr récupérer comme une cisaille classique tous les arbustes ou autres. Elle va vous permettre également de récupérer sur les moutons la laine. Jusque-là, rien de sans sas. Mais elle va vous permettre également, sur les vaches, de récupérer le cuir. Donc la vache est un peu ridicule. Ça fait un peu pelé à vif, je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même bien pratique. Ça vous permettra de plus avoir à tuer vos vaches pour récupérer le cuir. Enfin, ça va. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Et ça marche également, forcément, sur les poulets. À savoir que vous allez récupérer les plumes à chaque fois, et à chaque fois aussi également que vous allez déplumer un poulet,
il va vous lâcher un œuf. Donc c'est systématique, hein. Chaque fois que vous plumez un poulet, il vous lâche un œuf, quoi. Donc voilà, je voulais ajouter ça pour la cisaille. Je la garde de côté aussi parce qu'elle va avoir une autre utilité avec le force infuseur. Le force infuseur étant un gros morceau de Dartcraft, je vous ferai ce petit test mode en deux parties. Parce que je me suis quand même pas mal étalé sur le début. Donc je vous laisse là pour ce début de test mode sur Darkcraft. Et demain, vous aurez la suite sur le Force Infuseur, qui est une grosse partie de Darkcraft. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit à vous. Toujours pareil selon l'heure à laquelle vous avez regardé. Et je vous dis à demain pour la suite de Darkcraft. Allez, bye bye.